un court instant avec une bonne idée dedans. Donc, je vais vous parler de La Chambre des Diablesses d'Isabelle Duquesnoy, qui se spécialise un peu dans les récits. Alors, c'est un roman historique, sur fond historique. Donc là, elle va nous relater l'histoire. Donc, il y a des faits réels. Elle s'est appuyée sur des faits réels. Et puis après, elle a brodé d'une personne qui vivait sous Louis XIV, la voisine, et qui était une diablesse. Elle faisait des potions dans son arrière-cuisine. Au début, elle a commencé en lisant les lignes de la main, en tirant les cartes. Et puis, petit à petit, elle a fait des expériences d'élixir. Par exemple, elle essayait de récupérer des nouveau-nés morts, mais qui avaient eu le temps de recevoir l'extrême onction, et du coup, elle les faisait bouillir pour récupérer la substantielle moine. Voilà. Elle a plusieurs fois aidé la Montespan à tuer ses rivales, à empoisonner ses rivales. Donc, en fait, ça commence comme ça. La fille de la voisine a vraiment été emprisonnée, parce qu'à un moment, Louis XIV a dit « Bon, ça suffit, ces histoires de diablerie. Il a fait un grand nettoyage dans Paris, et il a aussi arrêté les enfants de toutes ces personnes. » Donc, ils se sont retrouvés peut-être... est-on responsable de ses parents? Je ne sais pas. Et donc, on a l'histoire de cette jeune fille et en parallèle, l'histoire de sa mère. Voilà. Et pourquoi elle est arrivée dans cette prison. C'est très bien écrit. Ça se lit tout seul, très vite. C'est sympa. Il y a des moments truculents. Et puis, on passe un bon moment. Voilà, on se dit que peut-être on est bien aussi en 2023. Voilà, et puis un autre roman aussi qui est très très sympa, qui a eu le prix du gouverneur général 2021 au Canada, c'est-à-dire que c'est un peu l'équivalent de notre Goncourt à nous. Et c'est l'histoire d'un restaurateur, un grand chef restaurateur qui fait de la télé et qui l'a... échappe à la mort, il était parti à la mer et il percute une gamine, il faisait du surf et il a bu la tasse, il a failli se noyer et donc ça lui fait un choc et il veut retourner à la terre, retrouver l'essentiel et il va prendre une érablière pour faire les sucres et en parallèle il y a l'histoire de sa femme, tout ça c'est très sympa. Enfin, voilà, parce qu'on a l'histoire de sa femme qui comprend pas le changement de son mari, parce que pour elle, il a juste bu la tasse et lui, il a l'impression d'avoir échappé à la mort, en fait. Mais en fait, on se rend compte qu'il a juste bu la tasse. Mais voilà. Et puis, on est vraiment plongé dans le Canada, le Québec. Enfin, c'est très sympa. Et puis, voilà, c'est vraiment faire les sucres. Voilà. Non, je vous épargne mon accent canadien. Eh bien, voilà, c'était chez Falamarion et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.